Bon appétit. Bonjour, chef Luc Jean ici. Aujourd'hui, je vous prépare une recette. C'est une salade poké avec une vinaigrette aux agrumes et gingembre. Pour la vinaigrette, on va prendre un citron, mettre du jus de citron. Ça, c'est une vinaigrette, mais pas seulement une vinaigrette, ça va être aussi une sorte de marinade pour le thon. Ce qui est différent avec cette recette ici que je fais pour vous, c'est qu'il y a un pamplemousse dedans. On ne voit pas ça souvent. Vous allez voir, c'est vraiment un bon mariage de saveurs. Le pamplemousse, je vais prendre le jus, mais aussi je vais sortir les suprêmes de la chair avant de prendre le jus, parce que je vais me servir de ça dans ma salade. Alors, on va nettoyer le pamplemousse. Alors, je suis la chair avec mon couteau. Comme ça, voyez. Comme ça. Alors là, j'ai pris un petit bol parce que je veux garder la chair du pamplemousse. Ça, ça va aller dans la salade. Vous allez voir, ça fait des belles couleurs. C'est tellement rafraîchissant. Délicieux. Alors, quand on fait ça, de différentes façons, on va entre l'intérieur, entre les deux membranes. Mais moi, j'ai un petit secret. Je vais d'un côté. Puis c'est comme si je le gratte presque, ça s'enlève, là, il n'y a pas de perte. La chair va juste s'enlever comme ça. Vous voyez, il est juteux mon pamplemousse. Alors je vais mettre ça de côté, puis là, vous voyez tout le jus qui sortait de là, moi je vais écraser tout ça. Je ne vais pas perdre tout ce jus-là, c'est super bon ça. Là, je vais ajouter le gingembre, bien sûr. Alors je mets la cuillère à table de gingembre haché là-dedans. Alors, je commence toujours avec le vinaigre ou le jus de citron, quoi que ce soit. Puis là, on ajoute l'huile puis les autres ingrédients. Alors, on va ajouter notre miel. Cuillère à table de miel. Alors, le miel encore, ça va adoucir le citron puis le jus de lime. Là, j'ai ajouté une grosse pincée de sel. Puis là, doucement, je vais ajouter mon huile. Ça, c'est l'huile de canola. Il y a des gens qui vont faire saisir le thon, tu sais, avant de le trancher, mais moi, j'aime ça cru comme ça. Il faut avoir un thon de haute qualité. Ça, c'est un thon de haute qualité. Qui est frais, évidemment, pour faire ça. On va couper ça en dés, en petits dés. On va mariner notre thon. Alors, on va juste ajouter quelques cuillerées de vinaigrette. Puis là, on peut ajouter un petit peu de sésame blanche, sésame noir. Pincée de sel. Ma salade. Ma laitue romaine est ici. Je vais déchirer quelques morceaux comme ça. Je garde les morceaux entiers puis je mets ça au fond de l'assiette comme ça. Après ça, je prends mon concombre. Puis je vais faire des belles avec mon économe, vous voyez? Des belles tranches de concombre. Puis là, je place ça délicatement. Comme ça. Oui. Là, je prends mes carottes. Premièrement, je vais éplucher l'extérieur. Vous allez voir, ça va faire une salade très fraîche. Et puis, je continue à éplucher, vous voyez, avec mon économe encore. Vous voyez, ce sont belles ces carottes-là. Ça fait des belles couleurs, très rafraîchissantes, vous voyez. Là, je mets les carottes. Je vais prendre mon autre carotte, je vais me donner une autre petite couleur. Vous voyez, tout est cru dans cette salade.
Là, mon avocat. Je vais prendre un avocat. Je vais montrer comment faire ça. Je le coupe en deux. Comme ça. Pour enlever le pépin, je prends mon couteau. Comme ça. Là, si... Là, il est pas mal mieux, mon avocat. Je suis capable de travailler avec. Alors, je prends mon couteau, puis je le coupe encore en deux. Vous voyez quand... Et là, il est parfaitement mûr. Je suis capable de juste mettre des morceaux comme ça. Vous voyez? Si vous n'êtes pas capable de faire ça, vous êtes capable de servir de cuillère, couper l'avocat en deux, puis après vous servir d'une cuillère pour enlever la chair. Commence à ressembler quelque chose, hein? Alors, qu'est-ce qui nous manque? Ben, la pièce de résistance, le thon. Si on va mettre le thon. Thon rouge. Le pamplemousse. On met le pamplemousse. Oh, c'est tellement bon cette salade-là, le jus. Je vais prendre ma vinaigrette. Je vais mettre ma vinaigrette partout, là. Vinaigrette au gingembre. Un peu d'oignon vert. Pas trop, juste assez. Après ça, on prend un petit peu d'autres graines de sésame blanche. Graines de sésame noire. Salade poké au thon rouge. Vinaigrette au gingembre. Bon appétit.